partout pour notre grand malheur. Pour le Thésaure, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit, vous perdez le sommeil. Je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à voir les yokai. Porte yokai, yokai watch. Des copains fantastiques partout pour l'accompagner. Les esprits juste à côté, ses amis là pour les. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Yokai, yokai watch. Ces amis là pour l'aider, est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il arrive Yokai Watch. Eh bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yokai Watch de Phantom Goofy. Je pense, vu l'écran là, qui est affiché, que vous avez quand même que vous devez avoir une petite idée de ce qu'on va essayer de faire, non? Dans cet épisode, on va essayer de devenir amis avec un nouveau légendaire. Je ne vous garantis rien, mais on va essayer. Donc ce légendaire, c'est Kamayol, ça fait longtemps que j'aimerais bien l'avoir. Donc je vais vous expliquer comment avoir déjà tous les yokai que j'ai déjà, parce que j'en ai 5 sur les 8. Alors, Salsaga, vous l'avez tout simplement en faisant l'aventure. Vous faites l'aventure normalement, puis vous la trouvez dans une grotte en fait. Dans une grotte près de San Fantastico. Et en fait, c'est obligé. C'est-à-dire qu'une fois que vous arriverez dans cette grotte, vous serez obligé de devenir ami avec Salsaga, sinon vous pourrez pas continuer le jeu. Donc ça, j'ai pas besoin de vous expliquer où on la trouve. Alors, Donchan, je vous ai déjà montré, c'est dans l'épisode numéro 32 de ma série Yokai Watch. Dans l'épisode 32 de ma série Yokai Watch 2 Phantom Buffy, je vous explique comment avoir Donchan. Donc vous verrez ça dedans si vous ne savez pas. Ensuite, donc on va voir Grigiri. Grigiri, c'est tout simplement l'évolution de Lulutin. C'est une évolution, hein, pas une fusion. Donc alors, pour l'avoir, attendez... Oh, mais Yokai, ils ont plus de vie, là. Faut que je fasse quelque chose, donc attendez. C'est un soigneur, donc c'est un bienveillant. Lulutin, c'est lui. Voilà, je pense que vous le savez. Mais Lulutin, on le trouve ici, au vieil Oursival dans le passé. Voilà, donc eh bien, tout simplement, allez dans le vieil Oursival du passé et vous pourrez le trouver. Ensuite, il y a Pépé Sbrouf. Alors, Pépé Sbrouf, je sais plus ce que c'est. Pépé Sbrouf, je sais que... Il se fusionne avec lui, avec Jalouserie, mais de base, c'est pas une fusion, une évolution. Donc où est-ce qu'il est, Pépé Sbrouf? Voilà, donc Pépé Sbrouf, c'est un rang C, c'est un yokai sinistre qui se trouve, eh bien, dans le quartier des boutiques de Grandval, voilà, pas d'Oursival, de Grandval, du présent. Voilà, donc vous allez ici et vous pourrez devenir ami avec lui. Et donc il me semble qu'il en reste un là. Il y en a un que je vous ai pas expliqué, c'est Madame Papilla. Alors Madame Papilla, c'est une fusion. C'est une fusion de deux yokai, mais je vais vous montrer tout simplement les deux yokai en question. Donc c'est la fusion de Pitou et de Papilla. Donc attendez, Pitou, c'est un mignon. Donc Pitou, on le trouve ici, dans le centre-ville de Grandval. C'est un yokai de rang C. Et Papilla, c'est lui qu'on trouve. On devient ami avec lui automatiquement, je crois. Je vérifie. Donc oui, pas de soucis, Papilla. C'est un yokai que vous allez avoir tout simplement en faisant l'aventure. Vous allez être obligé de devenir ami avec, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous allez au Temple de la Voix, vous fusionnez Papilla et Pitou. Et c'est bon, vous avez Madame Papilla. Mais alors, maintenant, il va falloir que je devienne ami avec d'autres yokai. Et donc, il me semble que le premier, c'est Hyprapillon ou Vitapillon. Je sais plus lequel, mais on va y aller tout de suite. Et donc, pour ça, il va falloir retourner dans le Grandval, du présent, mais dans le Grandval tout court. Juste avant, j'ai quand même changé de yokai qui me suit. Donc on va mettre Capitaine, vu que je viens de devenir ami avec lui. Je voulais mettre Kyubi, mais Kyubi, je suis toujours pas ami avec lui. Kyubi, j'essaye en boucle, et j'y arrive pas. Kyubi, je fais le combat et tout, et ça marche pas, j'en peux plus de Kyubi. Donc alors, attendez, il faut aller à Oursival. Allez, Oursival, au Mont de l'Ours, d'ailleurs. Donc on va y aller directement, non, c'est pas ici, c'est ça, Rocher de Face, je crois que c'est ça. On va aller jeter un œil. Il me semble que c'est ça. Normalement, c'est ça. Ah, mais on peut l'avoir la nuit? Je suis pas sûr. Je vais revenir le jour. Et donc voilà, les amis, je viens de le trouver. Je l'ai trouvé, je suis pas encore son ami. Hein. Donc en fait, il faut aller au Mont de l'Ours et vous pouvez le trouver sur toute la longueur du Mont de l'Ours. Donc moi, je suis allé au sommet. Et en fait, ce que je fais, c'est que je sors de la zone, je rentre, jusqu'à ce qu'il y ait un rang S. Donc faut faire bien attention. Parce que si le rang S apparaît et que vous partez, le rang S, il est plus là quand vous revenez. Hein, donc faut vraiment surveiller à chaque fois. Et donc normalement, il y a un rang S quelque part. Il doit être dans l'arbre, là, je pense. Ah, bah non, sur le rocher, ici. Et donc c'est... Normalement, c'est lui. Hein. Il n'y a aucun doute. Où est-il? Ah, il est là, voilà. Donc c'est lui. Alors, je ne sais plus quel est son nom. C'est Vitapillon ou Hyprapillon, je sais pas. On va voir ça bientôt. Je crois que c'est Vitapillon, lui.
Ouais, je serais tenté de dire que c'est Vitapillon. On va voir ça en combat, les amis, vous n'en faites pas. Bah là, ils vont le dire. Vitapillon, voilà, ok, donc c'est Vitapillon qu'il faut. Je le reconnais à sa couleur, en fait. Vitapillon, il est plus violet, en fait. Enfin, c'est... Il est plus sombre, en fait. Donc, voyons voir. Alors là, il faut devenir ami avec lui, et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout, parce que... bah, voilà. Vous savez pourquoi c'est pas simple. C'est jamais simple, enfin... Parce que déjà, ce yokai, il flâne... on peut pas l'envoûter, déjà, apparemment. Donc ça commence bien. Attendez. Lui, il aime quoi? Le curry. Donc, ok, Vitapillon, il aime le jus. Donc, il va falloir lui donner du jus. On va attendre déjà qu'il tue l'un des Père Noël. Attendez, ils ont déjà tué le Père Noël d'un coup? Ok. Mince. Ah, le Père Noël n'est pas mort. On va attendre le prochain coup que le Père Noël meurt. Et voilà, il est mort, là? Ok. Donc, on peut donner du jus. J'en ai qu'un seul, mince. C'est le Volt Extrême. Allons-y. Ok, donc, elle kiffe. Elle adore. Et donc, maintenant qu'elle adore... Ce serait bien de pas la tuer trop vite, en fait. Parce que ce serait bien qu'il y ait genre une bulle qui apparaisse, par exemple. Enfin, je dis ça comme ça, hein, je sais pas. Mais ce yokai, il flâne rarement. Et en plus de ça, on peut pas l'envoûter. Ok, et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ok, c'est que c'est un yokai rang S. Et les rangs S ont très peu de chances de devenir notre ami de base. Donc ça veut dire que même... Si j'arrive à avoir tous les trucs rassemblés, enfin tous les trucs réunis, c'est peut-être même pas sûr que je devienne son ami. Hein. Ah, si même Sailor Nian commence à faire des dégâts, c'est pas bien ça. Ok. Donc Vitapillon est mort. Bon, voyons voir. Croisons les doigts, les amis. Je vous souhaite aussi bonne chance si vous essayez d'avoir Vitapillon, parce qu'il est pas facile. Donc on croise les doigts et... Non, ok, je me disais du premier coup ça aurait été un petit peu abusé. Donc je vous montre juste la manip que je fais, c'est d'aller là, puis de remonter là, puis d'aller là, et ensuite de remonter là-haut, etc. Donc je vais le faire jusqu'à devenir son ami, hein. Les amis, c'est comme mon deuxième essai, je deviens son ami. J'en reviens pas. Oh, j'ai vu sur internet des gens qui se plaignaient, qui disaient « Oh, ça fait une heure que j'essaye et j'y arrive pas !» Et je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont essayer une heure, mais moi, en deux fois, j'y arrive. C'est la chance de Yokai Watch. Des fois, j'essaye pendant 3 heures et j'arrive pas à devenir ami avec un yokai. Des fois, j'essaye 2 fois et c'est bon. Donc, on va pas perdre de temps. Allez, Vitapillon m'approche. On peut devenir ami. On s'amuserait comme des fous. Et bien voilà, donc on va se lier d'amitié avec Vitapillon, bien entendu. Vitapillon ! Pourquoi ça, cette voix ? Ça devrait avoir une voix de fille. Bon, j'en sais rien, mais bon, c'est pas grave. Donc, les infos ont été ajoutées, voilà, très bien. On a un yokai de plus, rare en plus, c'est ouf ça, trop bien. Et voilà, les amis, il ne reste plus que 2 yokai à voir. Donc, écoutez, on va passer directement au deuxième yokai, il faut lancer une quête, donc j'y vais sans plus attendre. Nous voilà devant l'école de Grandval, et alors il va falloir faire la quête, enfin la suite de la quête des... de la chasse au trésor, mais alors les amis, c'est lui? Si personne ne veut m'aider, je vais devoir y aller seul. Fred, eh oh! Hein? Oh pardon, je ne t'avais pas vu, Kirbendo. Tu es tout seul aujourd'hui? Ouais, je n'ai pas vu les autres depuis que le club s'est séparé, donc c'est ça, c'est le club des chasseurs de trésors. Alors c'est la 3e quête des chasseurs de trésors, faut déjà faire les 2 précédentes. Et donc, je les ai expliqués dans les vidéos, justement, dans la vidéo 32 et 33, je crois. Donc, allez jeter un œil. Alors, oh, quel dommage! Mais tu sais, je suis retourné à la bibliothèque après. Et j'ai touché le gros lot! J'ai trouvé l'ultime carte au trésor! Vraiment? Elle mène sans doute au trésor ultime. J'ai pensé exactement pareil. Tu sais que le dernier trésor doit être cool. Mais vu que les chasseurs de trésors se sont séparés, qui va le chercher? Je peux toujours t'aider, si tu veux bien. Non, je te remercie, mais... Je voudrais que toute la bande y participe. Toi, moi, Marc, Nico, tout le monde. On n'abandonnera pas les membres du club. Vive le club des chasseurs de trésors, j'en fais aussi partie, tu sais. J'aurais encore besoin de ton aide, Kirbendo. Tu veux bien m'aider à réunir la bande? Eh bien, allons-y. Ok, donc c'est parti, on commence déjà par réunir la bande. Vraiment? Tu me sauves la mise, Kirbendo. Et j'ai tout aussi envie de repartir à la chasse au trésor. Bien, il est temps pour les chasseurs de trésors de repasser à l'action. Tout d'abord, il faut trouver les 2 autres et les convaincre de revenir. Ouais, ça ne coûte rien d'essayer. Où je peux les trouver? Je pense qu'on devrait pouvoir les trouver dans la cour de l'école. On traîne toujours ici, même durant les vacances d'été. Je commencerai par là si j'étais toi. En fait, même si je ne suis pas toi, c'est par là que je vais commencer. A plus! Ah d'accord, je l'ai cherché de mon côté. Eh bien c'est parti, donc on doit trouver les 2 autres. De toute façon, il suffit de sélectionner la quête et à mon avis on va les trouver tout de suite, hein. Il va pas y avoir de problème. Donc alors, c'est chasseur de trésors, allez... normalement, c'est... En fait, vous devez vous demander peut-être pourquoi je fais cette quête maintenant. Et bien, c'est en faisant cette quête, en fait, qu'on devient ami avec l'un des 2 yokai qui nous manquent. Donc alors,
Bonjour, toi, c'est qui? C'est Nico? Désolé, mais je ne pense pas revenir. Tu dis ça, mais au fond de toi, tu veux repartir à l'aventure, non? Eh bien, ouais, j'ai envie. J'en ai vraiment envie. Mais j'ai peur que ma mère le découvre. Elle fait si peur que ça, ta mère? Tu n'as pas idée. Je tremble rien qu'à l'idée de devoir lui raconter. Parfois, elle s'emporte tellement qu'elle en devient incompréhensible. C'est trop à gérer pour moi. D'accord, voilà ce que je te propose. Si tu te fais crier dessus, on sera tous là à se faire crier dessus aussi. On m'avait pas prévenu. Si on est tous là à se faire crier dessus, ça ne peut pas être si terrible, non? Bah, peut-être, mais... Et ça nous donne aussi une bonne raison de le cacher à nos parents. Très bien, si on arrive à faire ça en douce, ça devrait marcher. Dans ce cas, je vous suis. Vous avez entendu? N'en parlez pas à vos parents. T'es sûr de ton idée? Ne t'inquiète pas, si tu te fais prendre, tes fidèles amis seront là pour toi. C'est rassurant. Ouais, c'est pas si rassurant que ça. Bon, allez, donc il reste une autre personne à trouver. Donc c'était Nico et l'autre il s'appelle comment? Marco? Je sais plus comment il s'appelle l'autre. On va le trouver, il est là-haut. Non, vous allez me dire qu'il est sur le toit, c'est ça? Non mais attendez, ils ont dit qu'il était dans la cour de l'école, là. N'exagérez pas. Oh là là, bah oui, il va être sur le toit. Vous allez voir qu'il va être carrément sur le toit. Bah oui, je rigole pas en plus, il y est vraiment. Bon, c'est pas grave, dommage qu'il n'y ait pas de télémire sur le toit de l'école. Le gros flemmard, genre, j'ai pas envie de faire même 3 pas, quoi. C'est impossible. Oh non, ça ne te dit pas d'être un chasseur de trésors une dernière fois? Non, la malédiction pourrait se manifester de nouveau. Il ne devrait pas s'inquiéter, ce yokai n'est plus aux commandes. En plus, même s'il est encore envoûté, on saura où chercher cette fois. Tu as raison. Écoute Marc, si on reste groupé, on n'a rien à craindre. Oui, on est là pour toi. Si la malédiction frappe encore, on sera là pour te soutenir. Fred, Kirbendo, j'aurais dû me douter que vous diriez ça. Si vous êtes sincère, ça devrait pouvoir marcher. Tu veux dire que... Je vais avoir besoin de vous si la malédiction s'empare de moi. C'est à ça que servent les amis. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Oui. Donc c'est bon, on a notre équipe au complet. C'est cool ça. Vous savez qu'on va pouvoir y aller là? Bah, on dirait bien. Oh, c'est super d'être à nouveau réunis. Les chasseurs de trésors de l'école élémentaire de Grandval sont de retour. Je ne ferai confiance à personne d'autre pour me surveiller. Et moi je sais que vous ferez attention à ne pas tout répéter à ma mère. Ouais, pas de soucis de ce côté là. Mettons-nous au travail, tu as trouvé une autre carte, c'est ça? Ouais, la dernière, elle mène encore au Mont Sylvestre. On dirait une autre partie du tunnel abandonné. Le tunnel de l'Est. Ah! Ce tunnel a donc plus d'un tour dans son sac. Ouais, mais d'abord, nous devons résoudre un mystère. Bonne idée, allons tous au tunnel. C'est grâce à Kirbendo que nous sommes réunis. Ça me paraît logique que ce soit toi qui gardes la carte. Merci, je promets d'en prendre soin. Eh bien voilà, on a la carte au trésor final, on peut aller la consulter? On va aller la consulter avant d'aller où que ce soit. Donc les objets clés, ils sont là. Voilà, voyons voir. D'accord. Ah mais il nous fallait un yokai pour passer là-bas et on l'a pas ce yokai. Il me semble qu'il nous fallait un yokai en particulier. C'était pas Robonian quand même. Bon, je vais voir ça. Eh bien les amis, ça faisait quelque temps que vous me demandiez de faire cette quête, et effectivement, pour aller plus loin, il faut que je devienne ami avec Robonian, et donc pour ça, il faut aller à Ourcival, et il y a une quête, je suis au courant, hein, c'est juste que vous m'en parlez dans les commentaires depuis très très longtemps, donc je savais que c'était comme ça qu'il fallait avoir Robonian, mais c'est juste que j'avais pas trop eu le temps de le faire, et je pensais pas qu'il était si utile que ça, donc allons-y. Salut, c'est moi Ornella. Ornella, bien sûr, je ne t'avais pas reconnu, quel plaisir de te voir. Et en dehors des toilettes en plus, quelle surprise! Ça va, je ne passe pas ma vie aux toilettes. Hein. Oh mince, pardon, je ne voulais pas te vexer. Que viens-tu faire par ici cependant? J'ai vu quelque chose à travers la fenêtre, j'essaie de le retrouver. On peut voir beaucoup de choses à travers une fenêtre, c'était quoi? Un yokai qui volait, haut dans les airs. Vraiment? Les yokai qui volent sont assez courants, non? Même les chats? Un yokai chat qui vole, baliverne! Je ne sais pas, rappelle-toi quand Jibanyan est tombé du ciel. C'est vrai, mais je voudrais en savoir plus sur le chat volant d'Ornella. On lui demande des détails? Allez, c'est parti, on va lui demander des détails, faut être niveau 45, oulala, ça m'a l'air un peu compliqué. Dis Ornella, où tu as vu cette chose exactement? Près des montagnes? Ça n'aide pas vraiment, tu pourrais pas être plus précise? Pas pour toi. Pardon? Dis, Kirbendo, tu connais ce sommet qu'on appelle Mont de l'Ours? Ouais, j'y ai déjà mis les pieds même. Je vois tout le temps ce chat voler près du sommet de cette montagne. Tout le temps, sauf aujourd'hui. Tu comprends ce qu'on va faire, Kirbendo, non? Il est de notre devoir de grimper cette montagne et d'y jeter un œil. Ouais, cette histoire m'intrigue. Notre unique piste nous mènerait vers le sommet du Mont de l'Ours. Ouais, allons au sommet de cette montagne. Dis,
Tu me le diras si tu le trouves, hein? J'ai toujours voulu rencontrer un chat qui vole. Ouais, tu seras la première à le savoir quand on reviendra. Ok, et bien donc les amis, c'est parti. Bah on va sélectionner une autre quête. Alors moi je croyais qu'on allait directement faire la chasse au trésor, mais finalement non. Donc c'est regarder les cieux. Ok, donc trouver un endroit où on peut observer les montagnes, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de monter au sommet du mont. Au sommet du mont de l'ours. Alors le sommet du mont de l'ours. Donc attendez. Là il y a un rang A. Ça doit être lui. Il est rang A, Robonian, je pense. Où est-il? Ok, il est là-bas. C'est pas Robonian, ça? Ah si, c'était Robonian, c'est juste qu'il était de dos et je voyais ses fesses, donc non, c'était pas vraiment ça. Je cherchais plutôt son visage, mais c'est bon, donc le voilà, tu as trouvé Robonian. Quelqu'un me cherche. Ouah, un yokai chat volant, Ornella l'avait dit. Erreur, je ne suis pas un chat, je suis Robonian. Un robot? Je suis déçu, ce n'est pas du tout un yokai. Au contraire, tout porte à croire que c'est un véritable robot yokai. Ça n'a aucun sens, comment peut-il être à la fois robot et yokai? Et que ferait un robot yokai en haut d'une montagne? Rectification, je viens du futur. Quoi? Oui, dans le futur, on maîtrisera le voyage dans le temps. Tu es sérieux? Analyse, bip, analyse terminée. Tu as une collection impressionnante de yokai. Et merci, c'est gentil de l'avoir remarqué. Ça ne me dit rien qui vaille. Assez d'échantillons de cette époque ont été scannés. Proposition, combat contre toi, début du combat. Tous les statuts à jour, prêts pour le combat. Avec la musique en plus, genre on dirait Star Wars ou je sais pas quoi là, c'est trop chaud. Bon bah écoutez, allez c'est parti. Il aime un truc ou pas? Il aime les barres de chocolat, bah écoutez on va lui donner des barres de chocolat. On peut pas lui envoyer. Comment on fait pour devenir son ami alors? Bon bah on va envoyer des yokai forts directement. De toute façon j'imagine que Robonian il est pas ultra puissant quoi. Non ça va, ils vont l'avoir assez facilement. Ah il fait quand même quelques dégâts hein. Je pensais qu'il en ferait un peu moins que ça, c'est pas grave. Allez vas-y, c'est bon. Mais alors comment on fait pour devenir son ami? Est-ce que c'est un truc au hasard encore? Moi j'ai un petit peu peur là. On va voir. En plus on gagne pas énorme d'XP hein, ça c'est pas ouf. Et endommagé à plus de 50%, retraite recommandée. Je dois y aller, félicitations. Même si je n'étais pas au maximum de mes capacités. Pas au maximum? Ça veut dire qu'il se retenait. Tes données indiquent un endroit intéressant. Endroit en question, Grand Val-sur-Mer. Je dois étudier ce Grand Val pour avoir plus d'échantillons. On dirait bien que Grand Val est sa prochaine étape. Affirmatif, sélection de la cible. Contre qui veut-il encore se battre? Je pense qu'on le saura en le suivant. Cible sélectionnée, nouvelles coordonnées, Grand Val-sur-Mer. Je reviendrai... C'est Terminator en fait. C'est trop, c'est trop des références à Terminator là. Je reviendrai, I will be back. Ça c'est Terminator ça non? Oui c'est ça non? Ah je sais plus. Si à la fin de Terminator 2 je crois. Moi je sais plus. Bon, où est-ce qu'on va devoir aller maintenant? Eh bien après pas mal de recherches, Robonian m'a emmené au sommet du Mont Sylvestre. Donc voyons voir. On peut l'observer d'ici je pense. Donc il va falloir le combattre j'imagine dans plusieurs endroits en fait. Histoire de devenir son ami. Allez, pourquoi ça... Ah, voilà, il est là. Allez. Ça doit être quand même stylé de voler, hein. J'aimerais trop. Avoir un jetpack dans le dos et pouvoir m'envoler où je veux, comme je veux, ce serait trop cool. Comme ça, je reviendrai plus souvent en France. Enfin, quoi que... revenir en France depuis la Thaïlande, ça dure 12 heures en avion, donc avec un jetpack qui doit aller à 10 km à l'heure, ça doit mettre des années, hein. Quelqu'un me cherche. Encore toi. Trouvez Robonian, j'espère qu'on est là. Attends, tu as attaqué quelqu'un? Mes excuses, mon but est de réunir des données de combat. L'attaque est parfois nécessaire. Attaquer les gens comme ça, c'est très mal poli, tu sais. Plus de données de combat requises, plus d'échantillons. Tes échantillons sont les meilleurs. Collecte en cours. Oh non, encore! Oui, encore, préparation au combat. Tous les statuts à jour, prêts pour le combat. Ok, d'accord, c'est parti. Bon, c'est pas si difficile que ça. Allez, on va devenir amis avec Robonian, c'est parti. Enfin non, on va se combattre contre Robonian pour commencer. Il fait un peu plus mal, là, d'un coup. Ouais, non, ça va, il fait pas si mal que ça. Bah, pourquoi mes yokai, ils ratent leurs attaques, par contre, ça, j'aime pas. Vas-y. Ah, ça fait mal, là, mon Shogunian. Hein. Ton gel, il a pas aimé. Hein. Oh, attendez. Non. Ouah, une pile. Ah ouais, mais c'est pas mal les piles en fait, parce que c'est vrai que équiper un yokai robot, ça leur donne un sacré boost. Donc non, c'est pas mal les piles en fait, j'avais oublié, mais c'est des bons objets. Ouais, on gagne pas beaucoup d'XP par contre, ça c'est un petit peu dommage. Hein. C'est le seul truc que je regrette. Endommagé à 75%, activation de l'auto-réparation.
Ta force est impressionnante. Donnez mise à jour, mise à niveau de la puissance. Et oui, nous sommes devenus bien plus forts depuis la dernière fois. Pas vraiment, c'était il y a 15 minutes. Quand nous nous reverrons, je serai totalement opérationnel. Fini les gentils robots, c'est ça? Endroit inapproprié, recherche d'une arène convenable. J'attendrai à l'endroit le plus moderne de Grandval-sur-Mer. Moderne? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'endroit le plus technologique. Je reviendrai. Attends un peu! Bon, alors, heureusement qu'on a le truc qui nous indique où c'est, mais alors moi, je suis presque sûr que c'est la Tour Excellence, là. S'il dit un endroit technologique, on va aller à la Tour Excellence, puis on va voir. Attendez, Tour Excellence, elle est où? Elle est là. Donc, allons voir, hein. Ça se trouve, je me trompe, hein, mais je vois pas quel autre endroit. Hein. Ah ben, ça peut être le club de sport, c'est vrai qu'il est neuf aussi. Ouais, mais c'est pas technologique. Bah non, ça a bien l'air d'être là. Ok. Donc on va monter au sommet de la Tour Excellence. À mon avis, il doit se trouver là où était météorologue. Non. Oui, c'est ça, météorologue. Allez. Ça monte, là. On arrive. Je la dérange, la fille. À chaque fois, elle croit que je veux lui parler. Non. Je veux juste... Non, mais vous imaginez si quelqu'un courait comme un fou comme ça dans l'ascenseur quand vous le prendriez. Moi, ça me ferait trop flipper. Hein. Ce serait trop bizarre. Bon, allez. Encore un petit appareil comme ça. Et là, vu qu'on a fait 50, 75%, là, à mon avis, c'est la dernière fois, je pense. Il est où? Ah, le voilà. Salut, Robonian. On va t'avoir. Parfait. Super. Bon, allez, un petit combat, là. J'ai hâte de voir ça. Robonian. Parfait. Quelqu'un me cherche. Tu es encore en retard. Tu es lent. Il attend depuis quand? Bah ça fait même pas 5 minutes. Il a choisi le bon endroit. La Tour Excellence est moderne, en effet. Tu as eu du temps pour te préparer. Tu es prêt? Je pense. Parfait, commençons. Préparation au combat. Tous les statuts à jour, prêts pour le combat. Combat final initialisé. Il est stylé quand même, Robonian. Je l'aime beaucoup, Siokai. En plus, il a un background et tout. C'est pas comme Robonian F. Robonian F, je l'aime bien, mais Robonian F, le problème, c'est qu'il a pas d'histoire, il apparaît comme ça, on sait pas d'où il vient. Enfin, il en a peut-être dans le dessin animé, mais en tout cas, il en a pas dans le jeu, c'est un petit peu dommage. Mais, en tout cas, moi, j'aime beaucoup Robonian. Si vous aussi, vous aimez bien Robonian, laissez un petit pouce bleu. Allez. Là, le combat est un petit peu plus compliqué, par contre. Là, ça se voit qu'on arrive à des yokai de plus en plus puissants. Donc, on va y aller plutôt comme ça, là. Voilà, j'essaie d'être un petit peu plus prudent, parce que j'ai quand même pas envie d'avoir un game over contre Robonian, quoi. N'exagérons pas. Hein. N'exagérons pas. Et vas-y, gorgouille. Parfait. Allez, fais-lui mal. Oh, il y a la bulle. Raté, d'accord, raté. Moi, je voulais lui faire mal et on rate. Super. Allez. Non, c'est bon, on va l'avoir dans pas longtemps. Enfin, ça dépend, parce que s'il continue de rater l'heure d'attaque, ça va mettre plus longtemps que prévu. Non, mais... What? Mais c'est pas compliqué, bon sang. Ok. Allez, plus qu'un coup, normalement. Un coup. C'est bon, Robonian est battu, ouf. Et quand est-ce qu'il devient notre ami, là? Ah, ça doit être maintenant, là, ça doit être la fin de la quête, je pense. On va voir ça. Ouais, toujours 225, quoi. Il devient plus fort, mais il ne donne pas plus d'XP, hein. Ça ne change pas, hein. Il va bien? On y est peut-être allé un peu trop fort. Négatif, je me sens bien. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mon programme de langage était endommagé. Il vient d'être réparé. Eh bien, c'est très bien, je suis content de l'apprendre. Je suis un peu découragé. Même à pleine puissance, j'ai perdu. Bien joué. Eh, ce n'est pas parce qu'on a gagné que tu es nul. Quand même, ça n'allait pas. Mais en étudiant encore un peu ta technique, je pourrais repérer les points faibles et m'améliorer encore plus. Tu crois? On dirait qu'il n'ose pas te le dire, Kirbendo, mais... Je crois qu'il veut devenir ton ami. C'est une façon de le dire. Vraiment? Ah! Oui, pourquoi pas, soyons amis. Affirmatif, désormais tu seras mon administrateur. D'accord, bah c'est très bien alors. Ok. En tout cas, c'est mieux. Tout ce qu'ils ont fait autour du Robonian dans Yokai Watch 2, c'est quand même beaucoup mieux que dans le 1. Parce que dans le 1, c'est un yokai rare qu'on trouvait dans le chantier, quoi. Là encore, il a une histoire et tout, c'est trop stylé. Non, mais la musique de Terminator, quoi, c'est bon, du calme, hein. Non, pas ton administrateur, ton ami. Très bien, administrateur. Beau travail, Kirbendo. Tu as réussi à te lier d'amitié avec un robot. C'est pas mon premier, hein. N'oublie pas, ce Cornella voulait voir ce yokai. Oh, c'est vrai. Retournons tout de suite à l'école d'Ourcival. Ah, je vais retourner à l'école d'Ourcival juste histoire de valider la quête, mais c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est faire la quête de la chasse au trésor. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, on est là. Tu te souviens de ce yokai volant dont tu parlais? Eh bien, devine quoi? On l'a trouvé! C'est vrai? Ouais, on l'a amené ici pour que tu... Salutations! J'ai entendu ce que tu t'intéressais à moi, c'est exact! Robonian! C'est un robot, c'est vrai, mais c'est aussi un yokai et un chat qui vole. Enfin, je crois que c'est un robot. Quelque chose ne va pas? Probable. Elle doit plutôt être stupéfaite de voir un robot du futur. Non, c'est que... ce chat est... Qu'est-ce qui t'impressionne? Mes capacités, ma force, mon design! En fait, il n'est pas mignon. Erreur! Voilà, son problème de langage, il a redéconné. Mais n'importe quoi! Sérieusement, Ornella? Oui, mais c'est qu'en fait, il est pas mignon. Monsieur Ornella, il est mignon quand même, Robonian, dis pas ça! Alors là, on gagne pas mal d'XP par contre. Ouais, non, c'est quand même pas ouf. Hein. Ça va, mais c'est pas non plus, Ouh, même les top sûrs, mais bon, on a fait mieux au niveau XP, hein. Ça m'a valu une pièce bleue. Alors, c'est quand même tragique, les jackpots, parce qu'en fait, généralement, dans les trucs comme ça, quand ça fait rater, ça veut dire que le perso, il était tout seul, puis il a raté de manière complètement ridicule, donc c'est raté, voilà. Quand c'est bingo, c'est il voulait faire un truc, il l'a réussi. Ok, c'est bingo. Et quand c'est jackpot, c'est genre, il a complètement loupé, mais genre, il a loupé, il a tout pété. Et là, d'un coup, wow, jackpot! Ou alors, il est mort, bah, comme Hassan, il se fait manger par un inisqual, quoi, c'est horrible. Allez les amis, c'est parti pour aller au tunnel. Je suis rentré dans mon pote, là, il était en plein milieu du chemin. Donc, on y est. Marc, tu n'as pas eu de problème depuis la dernière fois? Non, tout est sous contrôle. Piu, à ce rythme, on pourra bientôt courir un marathon. La caverne à l'est doit être accessible depuis ce tunnel. On devrait commencer par chercher ça. Compris. Par chercher quoi? Ah oui, d'accord. Ok. La grotte, on la connaît, hein, mais je vais quand même vous laisser tout ça. Attendez, par contre, je sais plus trop comment on fait pour y aller... Parce que c'est là en fait. Comment on y va? Bah, c'est une bonne question, tiens. Comment on fait pour y aller déjà? Ah, non. Oh, si, les amis, c'est bon, je crois que je me souviens. Bon, bah, alors par contre, Nathan, tu vas arrêter de tomber parce que là, ça suffit. Donc là, ensuite, il faut aller. Il faut monter. On peut pas monter? On va remettre tout en position normale, parce que en fait, là, c'est juste que tout est n'importe comment. Allez, vas-y, remets les wagonnets correctement. Et là, on peut utiliser celui-là, voilà, pour commencer. Ensuite, il faut monter, il faudra aller à droite, enfin, à gauche plutôt. Non, à droite. Mais, Nathan, tu tombes jamais? Pourquoi d'un coup, tu fais que de tomber? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, on va aller de quel côté, là? Attendez. On va pas du bon côté. Bon, ça va, vu que de toute façon, on peut faire demi-tour. Donc, allez. On utilise le levier, encore une fois, oui, vas-y, hein, le levier des... C'est fou parce que les leviers d'urgence et les leviers d'aiguillage, ils ont exactement la même tête, quoi. C'est chaud. Donc là, normalement, il y a un passage secret, non? Il me semblait qu'il y avait un passage secret pour aller là. Je sais plus, mais... Ah bah si, c'est là, non? Mon attente ne fait que de tomber, là. Je sais pas ce qui lui arrive, mais bon, le pauvre... Lui, il faut que je devienne son ami aussi, à un moment, mais bon, il veut jamais, donc... tant pis. Et alors là, on va arriver dans une nouvelle zone, donc fallait déjà Draconfu pour y aller, mais ça, je vous ai déjà montré. Waouh! Ce tunnel ne ressemble pas du tout à celui qu'on avait exploré l'autre fois. Ouais, on n'avait pas vu ça. Ça devrait donc être ça, la caverne à l'est. Ça fait beaucoup de chariots. Ouais, c'est bien plus dangereux que l'autre fois. Faites attention. La carte indique un endroit plus profond. Je pense qu'il y a un passage qui mène au trésor, par là. On est arrivé jusque là. On va bien continuer à explorer, hein. Si tu y vas, j'y vais. Alors là, par contre, il y a un truc quand même que je me dis, c'est comment ils peuvent avoir le courage de faire ça. Genre, ils sont au-dessus du vide, on sait même pas quelle est la hauteur. Et ils ont pas peur. Moi, j'aurais tellement peur, quoi. Je paniquerais un truc de dingue. Donc, c'est ici. C'est ici, voilà. Il y avait un tableau blabla et on nous demandait... Donc, un yokai qui vient du futur, qui ressemble à Jibanyan et qui dit « Je reviendrai ». Donc, eh bien, on sait qui c'est. Ça pourrait être Robonian F pour les deux premiers trucs, mais sauf le truc du « Je reviendrai » parce que Robonian F nous a jamais dit « Je reviendrai ». Allez. Ding. Et voilà. Donc, on va pouvoir appeler Robonian, qui va ouvrir enfin ce chemin. Ouh, depuis le temps, j'espère qu'il va pas encore prendre plusieurs jours pour l'ouvrir, parce que Draconfu, il lui fallait plusieurs jours pour ouvrir le truc, donc... j'espère que ça va être un petit peu plus simple que ça. Allez, yahoo!
j'ai appelé Roboyen de Point Yokai. Stylé. Recherche de Point Yokai terminée. Oui. Allez. What? Ah d'accord, j'ai pas compris. Roboyan, est-ce que tu peux nous aider avec ce rocher? Toutes mes excuses, je suis en train de recharger mes batteries. Hein? Allez Roboyan, s'il te plaît. Non, il va nous dire de revenir demain. Oh! What? Charge complète, je m'en occupe! Super, merci Roboyan. Vas-y Roboyan. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Cible verrouillée, lancement du point roquette dans 3, 2, 1... Préparez-vous! Ça va rien faire. Point roquette! Ah. Il est sûr que c'était suffisamment rechargé? Je n'en suis pas sûr, moi, pour le coup. Hein. J'ai l'impression qu'il a un peu buggé. Quoi? C'est impossible! Malheureusement, c'est pas impossible. Oh là là, peut-être que tu veux réessayer. Oh mince! Oh pauvre... pauvre Whisper, il a cramé. J'ai l'impression qu'on peut enfin traverser maintenant. Oui, encore heureux. Non mais ça a explosé le mur, mais ça a pas explosé Nathan. Il a de la chance quand même. Mission accomplie. Comme prévu, je dois retourner charger mes batteries. Bonne chance. Ok. Mon dieu. Il est un petit peu nul, Robonian, en fait. Hein. Moi, je l'aime bien, mais il est un petit peu nul. Puis pauvre Whisper. Oh là là, maintenant, c'est beau, Whisper. Et il en peut plus, là. Je peux continuer la route. Merci à toi, Robonian. Donc là, oula, on a le choix. D'accord. Donc, où est-ce qu'on arrive? On n'est jamais venu ici, hein, c'est une nouvelle zone. Bah. Quoi? De l'air, des arbres, on peut même voir le ciel. Ce tunnel est bizarre. À moins que l'on soit dehors. C'est toujours le Mont Sylvestre. Je ne pensais pas qu'on arriverait ici. Déjà, on est sorti du tunnel. Je me demande s'il y a quelque chose après. J'espère bien. Nous n'avons pas encore trouvé de trésor. On dirait bien que ce chemin continue encore un peu. Ça ne devrait plus être très loin. Il a raison, le trésor est tout prêt. C'est parti. On doit se rapprocher, là. Ah oui, je ne tiens plus. J'ai envie de trouver ce trésor. Je vais sauvegarder quand même parce que là, normalement, je vais rencontrer le yokai dans pas longtemps. Et j'ai peur, en fait, que si je le rencontre, eh ben, il... comment dire, qu'il ne devienne pas mon ami du premier coup. Et ce serait quand même un petit peu dommage de recommencer. Oh, un passage derrière la cascade. Je ne savais pas. Il y a une caverne derrière la cascade. Nous ne sommes pas seuls ici. Il y a un yokai puissant, Kirbendo. Bien plus puissant que ceux qu'on a rencontrés dans le tunnel. Vraiment? Vraiment, je parie, c'est le gardien du trésor. Génial. Un yokai aussi dangereux peut être une vraie plaie. Essayons de nous en occuper pendant que les autres nous rattrapent. Et c'est reparti. Non mais attendez, ils vont pas mettre si longtemps que ça à nous rattraper quand même. Donc le voilà, il est ici. Eh bien il est au même endroit, hein, il me semble. Hein. Il était aussi dans cet endroit dans Yokai Watch 1. Mystère. Je crois qu'il était là. Hein. J'y mettrai pas ma main à couper, mais je crois que oui. Et voilà, mystère. Qu'il est bizarre ce yokai. Hein. On dirait Regigigas et tout ça dans Pokémon. Oula, il est grand, on sait qui celui-là. Il est du genre silencieux, on dirait. Ah, très intéressant. Oh, c'est vrai, je ne savais pas. Oui, tu savais rien, Whisper. Whisper, arrête, ne t'informe pas sans me dire ce que tu apprends. Si tu insistes. Ce yokai, il s'appelle... Qui vient donc me déranger? Ah, mais il parle. Que fais-tu là, toi? Va-t'en. Ok, c'était sûr qu'il allait nous combattre. Bon, allez les amis, voyons voir. Est-ce qu'il y a moyen, genre... Qu'est-ce qu'il aime comme nourriture? Il aime les légumes, on peut lui en envoyer ou pas? Non, on peut pas. Mince. Ça me fait un petit peu peur parce que si on peut le... Non mais c'est bon, on va l'avoir facilement. Mais je sais pas si on va devenir son ami, en fait c'est ça le problème. J'en suis pas sûr. Ouais, ça va, c'est tranquille quand même. Mais je crois qu'il fallait être niveau 35 pour réussir à faire cette quête. Donc c'est pas bien compliqué, à niveau 35 je suis au double, donc voilà. Je vais pas m'envoyer des fleurs, mais voilà. C'est bon, au revoir Mystère. Il a même pas réussi à me toucher une seule fois, quoi. Truc de dingue. Super. Ouais, il y en a un qui augmente de niveau, ça c'est cool. Je n'en gagne pas d'objets. Dommage. Alors. Désolé, je n'aime pas être réveillé. Mystère est un yokai légendaire. On le surnomme l'esprit de la montagne. Il était endormi ici depuis longtemps. Il devait être un peu confus. Bon, voyons. Moi aussi j'attaque la première personne que je vois au réveil. Désolé si j'ai été brutal. C'était une erreur. Ami? Tu veux qu'on soit amis? Mon cœur t'appartient. Pour toujours. Ah bah tant mieux. Ok, c'est bon, t'es pardonné.
Ouais. T'es pardonné, Mystère. En plus, il a l'air tellement mignon, Mystère, on dirait qu'il y a des oiseaux qui peuvent vivre sur sa tête. C'est trop stylé. Bon, eh bien voilà, donc on vient d'avoir Mystère, qui est un yokai costaud. C'est quand même bizarre qu'il nous demande d'avoir un yokai costaud dans ce truc-là, mais bon, pourquoi pas, ok. Alors. Oh, c'est un sacré honneur. Mystère n'est pas ami avec n'importe qui. Ouah, c'est quoi ça? Comment ça? Ils l'ont vu? Non, ils le voient pas. Ça existe vraiment? Encore des humains? Un esprit de la montagne. Hein? Vous pouvez le voir? Et comment? Il est énorme. Il faut être aveugle pour le louper. Ouah, il y a un vrai monstre juste en face de nous. Sa maman va pas être contente. Oups, repéré. J'en ferai mieux de filer. Ok, il a disparu. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Incroyable. Vous ne pensez pas que c'était peut-être le dernier trésor? Oui, bien vu. C'est sûrement ici que la carte devait nous mener. Ce qu'on a vu, c'est sûrement quelque chose qu'on ne voit qu'une seule fois. C'est un peu bizarre de considérer un monstre comme un trésor. Tout s'est bien passé, finalement. Ils ont l'air heureux. Et ben voilà, oui, c'est bon. Tout le monde est content. Donc c'est bon, il me donne l'XP, là. Ah, on est revenu à l'école. C'était dingue. Qui aurait cru que les monstres existaient vraiment? Je ne sais pas. C'est peut-être une feinte de celui qui a caché le trésor. Tu crois? Ça demande beaucoup de travail. Et ça, c'est sûr. souris hoche la tête. Oh, bonjour les enfants. Vous jouiez au Mont Sylvestre? Bonjour, monsieur le gardien. Moi aussi, je m'amusais bien là-bas, dans le temps. Je cachais des trésors un peu partout. Je dessinais même des cartes. Je les ai cachées dans la bibliothèque. Je ne sais pas si elles sont toujours là. Hein? Les cartes qu'on a trouvées? Tout s'explique. C'était vous? Oh, c'est vous qui les avez trouvées? Ouais, c'était amusant. Eh bien, vous êtes un peu le roi du Mont Sylvestre. Ça a dû vous prendre du temps pour construire cette créature en pierre. Quelle créature en pierre? Vous savez, celle qui est derrière la cascade dans la caverne. Il y a une caverne derrière la cascade? Qui l'eût cru? Ce n'est pas possible. Donc, le monstre qu'on a vu derrière la cascade était vraiment réel? Eh bien oui, les amis. C'est cool en fait, dans les Yokai 2, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de relations entre les yokai et les amis de Nathan et les humains que dans Yokai 1. Et c'est cool, je trouve, parce que c'est justement ce qu'ils veulent en fait, les monstres, les méchants yokai, ils veulent couper le monde des yokai du monde des humains. Mais en fait, ce que Yokai Watch essaye de nous dire, c'est que les amis c'est important, les relations c'est importante. Et en fait, dans Yokai Watch 2, il crée beaucoup de relations entre les humains et les yokai, et je trouve ça vraiment bien, en fait. C'est vraiment en accord avec ce que se veut être le jeu. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est génial, en fait. Ça me surprend, c'est des tout petits trucs, mais ça, j'adore. Donc, allez, qu'est-ce qu'on va gagner, là? Bon, bah, ça s'est raté. Bon, alors, les amis, le dernier yokai avec lequel on va devenir amis, c'est le dernier yokai de la liste. Et alors, le dernier yokai de la liste, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est Dynamo. Et alors, Dynamo, c'est pas du tout facile de devenir ami avec lui. Je vais vous expliquer comment. Vous pouvez l'avoir au Bingo Kai, je crois, mais je suis pas sûr. Mais vous pouvez l'avoir tout simplement en faisant... Comment ça s'appelle? Le tunnel sans fin. Une fois que vous avez passé 3500 ou 4000... Non, une fois que vous avez passé 5000 mètres, vous pouvez le trouver et avec un peu de chance, devenir son ami. Moi, j'ai essayé de faire le tunnel sans fin en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, donc sans fin, et je suis jamais devenu son ami. Donc ça m'a un petit peu énervé, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a envoyé Dynamo sur ma partie française, sur ma 3DS française, donc je vais me l'envoyer là dans ma partie américaine. Je voulais juste dire, merci, parce que c'est une personne, normalement, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, c'est Fluffy de la chaîne Fluffy Life, donc Fluffy et Nexus. Donc si vous connaissez Fluffy, si vous connaissez sa chaîne, si vous connaissez son Twitter, allez lui dire merci de ma part sur son Twitter, dans les commentaires de ses vidéos, dites « Kirbendo te remercie du fond du cœur » et puis vous pouvez aussi la remercier parce que sans elle, il n'y aurait pas eu d'épisode aujourd'hui. Donc vous pouvez lui dire merci de votre part aussi. Et sachez aussi que si vous ne la connaissez pas, si vous ne savez pas qui est Fluffy, et ben je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo là. Vous aurez le lien de sa chaîne. Elle fait des vidéos sur Yokai Watch et en ce moment elle fait même des vidéos sur Yokai Watch 3. Donc si vous voulez en savoir plus sur Yokai Watch 3, moi j'ai fait une vidéo sur Yokai Watch 3. Donc si vous voulez voir le début de Yokai Watch 3, moi je vous conseille d'aller regarder cet épisode sur ma chaîne. Mais si vous l'avez déjà vu et que vous voulez en connaître plus, bien entendu, je vous ferai Yokai Watch 3, c'est sûr, mais quand il sortira en France. Donc si vous avez la flemme d'attendre, si vous êtes trop impatient, allez voir la chaîne de Fluffy Life, elle montre en japonais le jeu Yokai Watch 3. Voilà, donc alors attendez, nous on fait un échange là avec Kirbendo, donc je vais envoyer Dynamo contre un yokai pourri, hein. On va envoyer un truc dont on s'en moque. Qu'est-ce que je m'en moque?
Bah écoutez, je me moque de Yventouse parce que je l'ai plein de fois, Yventouse. Donc allez, je vais envoyer Yventouse. Allez, c'est parti. Et donc, voilà, mon partenaire n'a pas encore terminé. Ah oui, j'ai pas encore terminé ma sélection. Et voilà, au revoir Yventouse. Dites au revoir à Yventouse dans les commentaires. Et voilà, c'est bon les amis, la sauvegarde est terminée. Et donc on va enfin recevoir le dernier yokai. Ça fait plus d'une heure que je suis en tournage, c'est chaud quand même. Les épisodes des légendaires, ça met du temps. Je pétille d'énergie à l'idée de cette nouvelle amitié. Dynamo. Ok, et bien voilà, les infos sur Dynamo ont été ajoutées au Medallium, c'est cool. Donc voilà, on a enfin Dynamo, ouf. Et c'est bon les amis, on a réussi tout. Bon, on va pas faire, on a pas besoin de faire un nouveau, non, on va pas échanger de nouveau avec Kirbendo. Voilà, allez, c'est bon, ok, fin de l'échange. Donc maintenant, on va aller vous ouvrir ce Medallium, parce que bon, il faut qu'on découvre ce yokai, hein. Vous savez qui c'est, hein, c'est dans le titre de la vidéo, mais c'est juste qu'on le voit ensemble. Donc, allez les amis, 3, 2, 1... Wow. Et bien voilà. Enfin, un légendaire de plus, ça va pas vite les légendaires là dans Yo-Kai Watch 2, mais c'est bon, embarquons-nous dans une amitié florissante à travers la ville. Kamayol. Kamayol. Quel nom il donne à Kamayol, tiens, voyons voir, au hasard, Flutri. Oui, quoi d'autre? Ah non, non, attendez, donc Flutri, belle veste, à la mode, peau de fleur, d'accord, tout est nul. Tout est complètement nul. Donc, Kamayol, c'est vrai qu'il y avait un endroit au Mont Cerise où on pouvait le mettre pour déclencher un truc sur un tableau blabla. Je vais pas le faire dans cette vidéo, je le ferai au début de la prochaine vidéo. Tout simplement parce que j'ai peur en fait que ça prenne trop de temps. Et j'ai pas envie, la vidéo est déjà longue, donc non, on fera ça dans le prochain épisode. Donc qu'est-ce qu'il fait? Redonne peu à peu des PV aux yokai voisins, c'est bien ça. Donc ranime ses alliés et restaure leur PV avec des fleurs de cerisier, ok. Et son envoûtement, ça augmente fortement la vitesse d'un allié, ok. En fait, c'est comme Selornian, mais en mieux, vu que c'est un rang S. Ok, mais écoutez les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Yo-Kai Watch 2 Phantom Buffy. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que ça vous aura été utile. Sachez que si vous essayez d'avoir Kamayol, vous pouvez l'avoir dans les deux versions, hein, Phantom Buffy et Esprit Farceur. Je vous souhaite bonne chance, parce que la plupart des yokai, enfin non, il y a quand même deux yokai à récupérer qui sont pas simples, donc je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à dire si vous êtes déjà mis avec Kamayol, si vous avez des problèmes, si vous voulez peut-être échanger des yokai, dites-le dans les commentaires. Moi je fais pas d'échange, j'ai pas le temps, mais peut-être que certains d'entre vous dans les commentaires ont, par exemple, il y en a peut-être un qui a Vitapillon, quelqu'un d'autre qui a Dynamo, et donc comme ça, moi je t'envoie Vitapillon, toi tu m'envoies Dynamo, et comme ça voilà, ça permet de débloquer. Je dis, ce sont des idées, hein, je vous suggère. Donc merci les amis, franchement n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires et de vous abonner pour être au courant de la suite. Je ne sais pas ce qu'on fait samedi, mais en tout cas on se retrouve samedi pour un nouvel épisode de Yo-Kai Watch 2 Phantom Buffy. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut !